L'idée ici qu'on a développée, c'est l'idée d'une machine à comptes. On propose de redécouvrir les comptes des Alpes à travers un concept un petit peu nouveau. Donc à partir de cet ensemble de mots, vous allez pouvoir choisir un petit peu la thématique de votre compte. On vous demande de choisir un personnage, un lieu et un objet. Une fois que les mots sont choisis, la machine va vous proposer un compte en adéquation avec la thématique choisie. Alors aujourd'hui, on n'a pas complètement fini, donc on vous propose de faire, pour essayer, on vous propose un compte avec un ours. Je fais l'ours, il faut une forêt. Et on vous propose une histoire avec un arbre. Aujourd'hui, on va vous proposer le conte de Jean de l'Ours, qui est un conte qui est très très connu dans le Dauphiné. Donc je vous laisse découvrir cette histoire. Il était une fois une bûcheronne, un flambeau de bois dans la forêt. Soudain, un ours arrive et l'enlève. 9 mois plus tard, la femme donne naissance à un drôle de petit bonhomme, un garçon costaud et velu comme son père, qu'elle nomme Jean. Et voilà, Jean de l'Ours, marié avec la plus belle des princesses. Tandis que les autres ont dû foutre le camp. Voilà. Est-ce que c'est un conte que vous connaissiez? L'idée de cette machine à contes-là, c'est de les mettre en valeur. C'est un objet de collection à part entière, un conte, même si c'est oral. Donc, il fallait trouver une façon de les rendre accessibles. Souvent, ces contes-là sont très longs, sont écrits dans un langage des fois difficile à comprendre. Donc, on l'a réécrit pour essayer de le rendre, de l'actualiser un petit peu. Merci. Bonne continuité. Je vois, je comprends. On fait le questionnaire, je vais rendre compte.